www.congotopnews.com. Shauri yako, shauri yako, shauri yako, gone away. Les fans congolais m'ont connu à travers l'album Tempelo de Papa Taboulek. Mon apparition sur l'album était accidentelle, entre guillemets. J'étais même pas programmée de chanter dans l'album. Pour moi, c'était naturel. C'est comme un enfant qui va accompagner son père ou sa mère au travail. Et donc, c'était la chanson Bébé, c'est ça? C'était sur la chanson Il est né le bébé. Il est né le bébé. Tout à fait. Il est beau le bébé, les cadeaux. Ou le trésor de sa maman, qui ressemble à son papa. Alors, waouh. Je rigole parce que déjà, ça se voit. Ça se voit. Et là, on le désaté. Donc, j'ai ma signature sur le visage. Ouais. Tu t'es imaginé pas un jour chanter avec ton père, peut-être? Pas du tout. De telles circonstances. Pardon. Exactement. On est des milliards sur la planète. Mais de naître de deux étoiles comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable, ça. C'est une bénédiction. C'est pas facile à porter, c'est assez lourd à porter. Parce qu'il n'y a pas seulement le nom de Tabou. Miliabel. Waouh. Qui est une icône, une légende dans notre pays, comme vous le connaissez. Mais c'est quand même lourd à porter. Parce que je suis née de deux personnes exceptionnelles. On n'a pas une vie ordinaire. En tant qu'enfant d'artiste, même quand tu as un parent d'artiste, un parent qui est artiste, les parents sont souvent absents. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié chez mes parents, c'est qu'ils m'ont inculqué des valeurs, malgré l'absence, malgré le fait d'être enfant d'artiste. Je ne vais pas mentir, on en souffre beaucoup. Mais avec le recul, en grandissant, on voit l'impact qu'ils ont sur le monde. Et pour moi, ça, c'est priceless, comme on dit en anglais. Ça n'a pas de prix. J'ai vu l'impact qu'il avait quand il est mort. Maman était très touchée et elle essayait de se retenir, de cacher un peu. De cacher. Imagine-toi cet homme-là. La prise, elle était toute jeune. Il a fait d'elle Miliabel, la Cléopâtre, la chanteuse. Malgré son talent, ouais. Elle le dit au quotidien. La musique pour toi, une passion ou une histoire de famille ou familiale comme ça? Ben, tout d'abord, bien évidemment, une histoire de famille. Une passion aussi, bien que je ne suis pas sur la scène musicale, mais je compose. Je compose beaucoup. Donc là, j'ai assez de compositions pour sortir, je ne sais pas, 5-10 albums. Cette année, vous allez avoir une surprise. Il y a un featuring qui se prépare avec un tabou, un membre de la famille. On peut vous identifier facilement. Bah oui, le visage, ça se voit, nanana. Mais il y a quoi en fait de particulier? Ah ben, le nez, hein. Ah le nez. Ça c'est... Oui, mais ça, une classe, on a mention, quoi. Il semblerait que vous étiez au nombre des 108. Non, 108. Non, est-ce 108. Que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Au Palais du Peuple à Kinshasa, en 2013, à la mort de papa, dans le Palais du Peuple, il y avait 43 enfants tabou. Donc déjà, vous souquez la chiffre. Bon, estimé à peu près. Donc, c'est un peu ça. JBM Fret Service pour l'envoi de vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Kabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassur, agence Yanguya, agence Yabastar. Par exemple, on dit que nous sommes comme un guitare, comme une assurance. Il y a un JBM, Fret, Service, pour nous avoir une colline qui nous chasse à Braza partout, aux agences Yabastar. Donc, on est de l'ébouille, tu es de l'ébouille, on est de l'ébouille, on est de l'ébouille, on est de l'ébouille, on est Oezali agence ya ba miyibite. Oezali na assurance ya makasi. Même ba kiti, même ba frigo, même mituka. So po lingi pe nda coupé.
JBM, Fred, service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yena, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM, frais de service. Et efficacité au rendez-vous. Allez, mon cher. Elenge mwasi, elenge mobali. Yo moto zali na problème ya taille, suki, pepo. Tala esika solution na ezwami. Yango yo! Chez Awa Toza, oyo ezali produit ya mama Nicole Malonga mwasi Nzambe la patrona. Oya fandi sa idéologie azali kosala ba produit na ye na base naturelle. Pona basi, ezali na pomade oyo soki mwasa sale liango. Surtout ba o bazali na posa ya fesse e koma minene. Ezala na forme ya kitoko peta ya malamu okoye kosala produit oyo. Pe ezala ba oyo mabele kweya e koma chaussette. Yeba ke soko sali pomade oyo e kokoma na forme elengi. Pe ya sika. Awa Toza bazali pe lisusu na huile. Po na banduta ba tampo. Pe creme oyo. Po na batonyo so bazali ba tache. Po na yo mutu libumwe koma misuni misuni. Libumwe lemba lemba. Soko sali pomade. Awa Toza. Libumwe kokoma moke. Pe pla. Suki ya sila ona mutu. Ko banga na yote. Tala produit oyo. Soki osaleli yango. Suki ya kobota. Pe kozala na vitamini ya kitoko. Produit Awa Toza. Tozali pe na gamme de beauté. Lo poso na yeza la kitoko. O kandisi to suki wana. Ten, ten, ten. Awa Toza. Po na mibali. O bazali na problem. Ya ejakulasyon precoce. Hemoroid. Impuissance sexuelle. Pe oyo bazana pe. Ke, soki osaleli yango, eko pesa yango forme pe vimbi kitoko. Benga mama Nicole Malonga, paske produit oyo, mwa sinde muta salaka yango, pe ezalika kase ye moko, oyo asalaka produit, pote yo zalana tayi kitoko, bako sabinote. Produit Awa Toza, ezwami na adresse oyo, 3 rue, Kisti, code postal 75 018 Paris, na kati ya Chateau Rouge, Mosika Tenaga, oko kuta mama Nicole Malonga, oya fandi sa ideologie, na produit na ye, Awa Toza. Non, c'est trop fort. C'est naturel. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans Hero Show, votre émission qui vous aimait tant avec le votre Noli Tamboulessage. Vous êtes nombreux à nous suivre et très heureux de vous savoir nombreux, nombreuses en ce moment en train de nous suivre à travers la RTG Award chaque mardi à partir des 21h30 et la rediffusion le vendredi à 15h heure de Kinshasa et vous nous regardez à travers le monde, à travers votre chaîne de référence, votre chaîne YouTube Congo Top News Monde. D'ailleurs, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, de continuer de vous abonner massivement sur votre chaîne de référence, votre chaîne YouTube Congo Top News Monde. Un grand merci à la réalisation ici à Paris de Aristote Mbunda qui réalise cette émission Hero Show depuis Paris et de l'autre côté à Kinshasa, Gloire Kazadi à la régie finale. Merci à Florent Kiodo Masamba, merci à Fiesta également, à Benjamin, lui. Un big up aussi à notre directeur 33 Tutengue et surtout un grand merci à notre PDG Pius Mabilou, l'honorable ministre, madame Christelle, madame Stéphanie également. Mesdames, messieurs, la personne que je dois recevoir ce soir, elle est née d'une famille de stars et moi je dirais sans M de tambou, Noli serait tabou. Mesdames, messieurs, elle va devoir signer son retour. Hein? Donc, Mélodie Tabou parmi nous. Mélodie, elle fait son entrée. Mélodie, ça va? Ça va, Noli, et toi? Ça va. Oh, Mélodie Tabou, ça va? Alors, avant, bien évidemment, de prendre place, ouais. Un petit mot à ceux qui te regardent à travers cette émission Hero Show. Je crois que c'est une première hein, pour toi. C'est une première, tout voilà. À fait. Oui, voilà. Oui. Eh bien, écoute, merci déjà de me recevoir aussi chaleureusement. Je suis tellement à l'aise. Hein, comme tu dis, tambou sans sans le M, ce serait tabou. Tabou. Donc, pour moi, je le considère déjà comme la famille. Merci à vous tous qui nous regardez. Voilà. En tout cas, je suis honorée et on va passer un bon moment ensemble. Et tu es prête à répondre à toutes nos questions? Toutes les questions, en toute sincérité et transparence.
Ah oui, ah oui, est-ce que tu peux un bon repos? Et l'autre? Tu peux me téléguer dans le bureau, ma pécio? Rien du tout. Ah, yomoga, le propos tenu, hein? Voilà. Hein? Ah. Ok, merci. Merci beaucoup, Mélodie, mesdames et messieurs, Mélodie merci. Tabou, merci. Dans votre émission Héros Show avec Noli Tambou les Sages. Ça va? Ça va et toi, Noli? Oh, très, je suis très très content de te voir. Hein? De même, très, très honoré et puis très à l'aise, hein, comme j'ai dit. Hein. Voilà. Merci beaucoup, un grand merci à Yawili Moucheni Kodamboka qui nous regarde à travers cette émission. Hein, donc, de bonnes choses à vous, Kulutu. Non, Pesapimbot également, au vénérable maître Choisi Matata qui nous suit depuis quelque part. PDG Tanguy Brice Lolendo, Bâti Service, Siamoulex Aigle Noir, Pajou Simba TTC également. Et je voulais aussi, à travers cette émission, dire un grand merci surtout de bonnes chose et joyeux anniversaire à ACP, de l'autorité morale Gentiningo Bilambaka, donc ACP, Alliance des Congolais Progressistes, et à son excellence Gentiningo Bilambaka que nous saluons à travers cette émission. Boni, cette émission c'est bilingue, tu parles quand même lingala, Mélodie? Bien sûr. Mouké, mouké, bien, ou mekaba. Nalo Barapenza. Attends, anglais, suis au ligne tout côte, anglais tout côte. You speak more. I speak a lot. Okay. I'm fluent in English. C'est bon. Mélodie Tabou, mesdames et messieurs, donc oui. Voilà, aujourd'hui on va parler Mélodie Tabou, hein, à ce que nous regarde la fille du défunt Taboulé Rochereau, donc le seigneur Taboulé Rochereau, et de maman Mbiliabel, la Cléopâtre. Cléopâtre, ouais, tout à fait. La Cléopâtre. Ça te fait comment de sortir ou d'être un enfant, une fille de père et de mère artiste, d'entre deux jeux déjà? Eh bien franchement, c'est incroyable comme destin. Ouais. C'est vrai que quand j'y pense, on est des milliards sur la planète, mais de naître de deux étoiles comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable ça. C'est une bénédiction, c'est pas facile à porter, c'est assez lourd à porter. Parce qu'il n'y a pas seulement le nom de Tabou, oui, que vous connaissez, mon défunt papa. Il y a aussi Mbiliabel. Mbiliabel. Waouh. Qui est une icône, une légende dans notre pays, comme vous le connaissez. Donc c'est agréable de voir comment ils ont marqué, ils ont impacté les vies de leurs fans tout autour du monde. Mais c'est quand même lourd à porter. Waouh, j'imagine. Hein. C'est assez lourd, mais au quotidien, c'est incroyable. Et pour moi, c'est une grande chance. Et tu te sens comment, en fait? Tu te sens différente des autres? Tu te sens comment? Oui, oui. Est-ce que t'as... Tout à fait. Autant je suis très humble de nature, mais en même temps, je n'ai pas le même destin que d'autres personnes. T'es exceptionnel. Voilà, parce que je suis née de deux personnes exceptionnelles. On va y revenir, Mélodie Tabou, mesdames et messieurs, elle signe son retour et après quelques temps déjà, nous avons remarqué que tu as marqué une petite pause. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était par rapport à quoi? Et les gens aussi qui nous regardent remarquent que tu as maigré un peu. Les chagrins d'amour? Ouh, non, ou, du tout. Quoi? Tu penses à quoi en fait? Qu'est-ce qui ne va pas, Mélodie? Là, c'est une question deux en un. Mélodie. Voilà. Déjà, pourquoi cette pause? Oui. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire de mon parcours musical, les fans congolais m'ont connu à travers l'album Tempelo de Papa Taboulé qui est sorti en 2002. Mon apparition sur l'album était accidentelle, entre guillemets. J'étais même pas programmée de chanter dans l'album. Je venais en vacances des États-Unis pendant que papa était au studio avec Papa Maïka Mounan, que je salue au passage. Et la chanteuse qui devait poser sa voix sur l'album ne s'est pas présentée. Donc il y a eu à la dernière minute un changement de programme. Ça fait que papa et tonton Maïka se grattaient un peu la tête en se disant mais comment on va faire et tout. Et moi, vu que j'étais souvent avec Papa Tabou tous les jours pendant l'enregistrement de l'album, je connaissais un peu les chansons plus ou moins. Donc j'ai dit, moi je peux essayer, donnez-moi un peu le texte. Et j'ai répété comme ça pendant 10-15 minutes. J'ai dit, faites-moi entrer. Pourquoi pas un duo
pourquoi pas un duo, quoi. Oui, entre voilà. Donc, et... pour moi, c'était naturel. C'est comme d'accord. un enfant qui va accompagner son père ou sa mère au travail. Et donc, c'était la chanson Bébé, c'est ça? C'était sur la chanson Il est né le bébé. Il est né le bébé. Tout à fait. En duo avec en duo sa fille. Avec, voilà. Voilà. Donc, du coup, je suis rentrée et j'ai chanté. Et qui était le compositeur? C'est Papa Taboulet qui a composé. Ah oui, oui. Donc moi j'ai juste interprété la chanson. Alors je répète juste les noms, hein, et enfin les paroles de cette chanson. Oui. Oh qu'il est né le bébé, le présent de sa mère. Alors quand t'es né, dans notre côté, oui. Oh qu'il est beau le bébé, le cadeau ou le trésor de sa maman, qu'il ressemble à son papa. Alors, waouh. Je rigole parce que déjà, ça se voit. Ça se voit. Et là, on le désaté. Donc, j'ai ma signature sur le visage. Oui. Donc, oui, le trésor de sa maman, qui ressemble à papa, bien évidemment. Le prénom Mélodie m'a été donné vraiment avec amour. Il y avait vraiment une signification derrière ce prénom. Donc, les deux... Mélodie, qui t'a donné ces prénoms, Mélodie? C'est papa, c'est papa ou c'était... C'est papa. C'est ouais. papa, mais voilà, ça allait de soi, vu que maman chante, papa chante, donc c'était naturel. Ouais. Donc voilà, Mélodie. Donc voilà, pour revenir aux paroles, oui. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Je chantais déjà à la chorale de mon église et à l'école. Aux États-Unis, parce que j'ai grandi aux États-Unis. Mmh. Donc, j'ai toujours baigné dans la musique, déjà que les parents font de la musique avant même que je sois née. Et pour moi, c'était naturel. Et le fait d'avoir chanté comme ça, tout de suite, ça a fait un boom. Les gens étaient agréablement surpris. Mmh. Et ça leur a fait plaisir, en fait, de voir cette union-là, parce que ça leur donnait une nostalgie, un souvenir de Miliabel, en fait. Mmh. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré, entre guillemets, ma carrière musicale. Tu t'es imaginé pas un jour chanter avec ton père, peut-être? Pas du tout. Ça, et surtout dans de telles circonstances, pardon. Exactement. Je sais que lui, parce que tu sais, les parents voient hein, le potentiel en chaque enfant. Mmh. Et je pense que c'était un souhait pour lui de voir. Parce que toute petite, même ma mère, elle me disait, maman Bilia me disait, ah, quand tu jouais, tu entonnais souvent des mélodies. Mmh. Même toute petite. Toute petite, donc c'était naturel. Et c'est comme ça que j'ai fait mon entrée sur la scène musicale, un peu par hasard. Et donc j'étais très jeune à l'époque, j'avais 17 ans. Hein. J'avais 17 ans, donc j'étais en pleine étude. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas complètement lancée dedans. C'est lancé, ouais. Voilà, ce n'était pas ma passion, ce n'était pas mon objectif à ce moment-là. La petite Mélodie aujourd'hui, Madame Mélodie, donc la grande. Je n'ai pas fini, tu m'as voilà. posé une deuxième question. Voilà, et par rapport au poids, voilà. J'ai fait beaucoup d'efforts, beaucoup de régimes parce que j'avais pris. Là, Aristote Mbonda va nous aider à mettre. Il y a une prestation comme ça dans d'une association. Oui. On voyait tout à vraiment fait. Que. C'est ça. Donc, c'est vrai que j'avais pris énormément de poids. Mm-hmm. C'était surtout pendant le Covid. Pendant la Covid, on était tous enfermés. Hein. Tout à fait. Toi, comme moi, comme tout le monde. Donc, j'ai pris énormément de poids. C'est pas forcément des chagrins d'amour ou quoi que ce soit. Hein. J'ai mm-hmm. une vie personnelle. Très équilibré, mais c'était voilà surtout par rapport à ma santé que j'ai dû perdre du poids sous avis du médecin, donc beaucoup de sport, changer d'hygiène de vie, équilibrer les repas et tout ça. Mmh. Mais c'est vrai que ça choque parce que ça quand choque, on voit ouais, voilà, la prestation. Je voulais un peu amortir déjà. Oui, 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 voilà. Oui, c'est vrai. Ne soyez pas choqués. Voilà. C'est normal. Voilà. Et je suis très bien comme ça. Je me sens beaucoup mieux parce que le surpoids aussi, ça entraîne des petits pépins de santé. Et donc c'est surtout par rapport à ma santé que j'ai dû faire attention à mon poids. Voilà, merci beaucoup. Mmh. Mélodie Tabou, et la musique pour toi, une passion oui. ou une histoire de famille ou familiale comme ça? Bah, tout d'abord, bien évidemment, une histoire de famille. Une passion aussi, bien que je ne suis pas sur la scène musicale, mais je compose beaucoup. Donc là, j'ai assez de compositions pour sortir, je ne sais pas, 5-10 albums. Ouais. C'est juste parce que je ne les expose pas forcément. Mais là, c'est le moment. Donc, cette année, vous allez avoir une surprise. Il y a un featuring qui se prépare avec un tabou, un membre de la famille.
C'est pas Peggy quand même. Peggy. Hein? Peggy ça, Tabou. C'est une surprise. Que je salue aussi. C'est une surprise. Donc oui, c'est une passion. Moi, je vis musique, je respire musique. Mais beaucoup tu dans es les coulisses. La musique. Je suis la musique, je suis mélodie, mais beaucoup ouais. dans les coulisses. Donc ça veut dire que je compose beaucoup. Je suis très introvertie de nature. C'est pour ça que vous ne me voyez pas trop sur les réseaux, vous ne me voyez pas trop. Là, aujourd'hui, je pense qu'il est temps quand même de revenir. Donc ça avait déjà commencé l'année dernière, hein, ou l'année d'avant, j'avais fait une interview avec Maman Betty Kiemba pour les 40 ans de carrière de Maman Miliabel. D'accord. Donc là, les gens m'ont vu réapparaître un petit peu. Et non, là, je me sens prête. Je pense que chaque chose a son temps et je me sens prête. Voilà, merci beaucoup. Il y a aussi un événement qui se prépare pour le 10 ans de la mort du Seigneur Les Rochereau. Donc, c'était quoi le 30 novembre 2013 qui nous a laissé et le 30 novembre 2023, ce sera le 10 ans. Le 10e anniversaire de sa mort. Et vous préparez quoi exactement? Alors, ce qu'on prépare cette année, ce sera spécial parce que c'est quand même les 10 ans. À savoir que chaque année, on fait quand même un hommage par rapport à la mort de papa, donc le 30 novembre. En général, ça se passe à Kinshasa, mais il y a aussi des anciens musiciens d'Afrisa qui lui rendent hommage en faisant des concerts à Paris, en France. Donc, ça se prépare à Kinshasa. Donc, vous aurez plus de détails très bientôt, mais ça va être un grand événement. Voilà, Kinshasa, le 30 novembre 2023. Mesdames et messieurs, le 30 novembre 2023, Binobo Talabissona Katia RDC, Bouébaké, un grand événement, donc un hommage à le Seigneur Rochereau Taboulay, donc Ezoya. Donc, tout bon gamin, tout le monde a besoin de vraiment pour tout CP là, pour tout ma belle mélodie, tout le mélodie aux Ozala d'ailleurs, et tout Kanisa Soussou à travers ses œuvres, ma chanson Naïo, jusqu'à aujourd'hui, ils ont continué toujours de nous faire plaisir. Et voilà, donc le 30 novembre 2023, donc je pense que vous aurez toutes les précisions dans la émission à Bisson. Mélodie. Mélodie Tabou. Yes. Mélodie Tabou. Lélo, avec le recul, de voir aujourd'hui tes parents, musiciens, maman, artiste également, la vie, quel genre de vie que tu, en tant qu'enfant d'un artiste, des artistes, de père et de mère, et c'était comment en fait, ça se passait comment, la maison, ton éducation, papa en tournée, maman, en tournée avec maman, papa, tout ça, t'as grandi comment en fait, tu es un peu moins, livre-moi sur moi confidence, on a. Parce que tu es biqué, c'est comme si papa a pilote, maman pas a... On teste de l'air, par exemple. Hein. Prenons l'exemple. Que papa a un vol tel Paris ou Washington. Et maman a un Paris, Sri Lanka, par exemple. Ou Dubaï. Je crois qu'il va te comprendre par rapport à Yannini. C'était comment, en fait? Essaye de nous lever un peu cette confidence. En tout cas, on n'est pas une famille ordinaire, hein, parce que c'est déjà un destin incroyable. On n'a pas une vie ordinaire en tant qu'enfant d'artiste, même quand tu as un parent d'artiste, un parent qui est artiste, les parents sont souvent absents. Parce qu'une carrière artistique, ceux qui percent vraiment des vrais bosseurs comme mes parents, mon père était et ma mère l'est toujours aujourd'hui, c'est des bourreaux de travail. Ça veut dire qu'ils se consacrent au travail à 100%. Et malheureusement, la vie familiale en pâtit en général. Donc j'ai beaucoup vécu un peu comme un pigeon voyageur. Ça veut dire que ma mère, je pense jusqu'à 7 mois de grossesse, elle était sur le podium. Elle était sur le podium. Et pour la petite anecdote, j'ai failli naître en Tanzanie. Je suis venue en France. Ma mère est venue en France une semaine avant ma naissance. Donc ils étaient en Tanzanie, dans des tournées, tout ça. Et donc c'est pas une vie ordinaire, on déménage beaucoup, on voyage beaucoup. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié chez mes parents, c'est qu'ils m'ont inculqué des valeurs.
malgré l'absence, malgré le fait d'être enfant d'artiste, qu'il faut malgré toujours... Leur absence. Malgré leur absence, ils ont toujours fait en sorte que pendant leur absence, qu'ils me transmettent leur amour, qu'ils m'inculquent des valeurs. Pendant leur présence. Pendant leur présence, ouais. Voilà. Ils profitent à se rattraper un peu. À se rattraper. Oui. Donc c'est pour ça que même mon père, avec autant d'enfants qu'il avait et avec autant d'absence pendant ses voyages, je ne lui en voulais pas parce que le peu de temps que je passais avec lui, il se rattrapait. Il était tellement chaleureux, il était bon délire. Je pense que tu as dû avoir l'occasion aussi de le rencontrer. Un papa très cool. Et donc, ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile. Mais aujourd'hui, je m'estime heureuse quand je vois ce qu'ils ont quand même implanté en moi. Et aussi, tous les millions de personnes qu'ils ont impactées. Parce que malgré le fait que nous, les enfants, parfois, on subissait l'absence des parents, mais pendant qu'ils allaient faire des concerts, pendant qu'ils chantaient, ils ont aussi sauvé des vies. Mmh. Ils ont aussi transformé des vies. Ils ont donné des conseils. La joie. Ils ont, réuni des foyers qui étaient en division. Ils ont donné le courage à des personnes. Donc, pour moi, ça compense, en fait. Pour moi, je pense que c'était leur... C'était 50-50. C'était 50-50. Après, en tant qu'enfant, je ne vais pas mentir, on en souffre beaucoup. Mais avec le recul, en grandissant, on voit l'impact qu'ils ont sur le monde. Et pour moi, ça, c'est priceless, comme on dit en anglais. Ça n'a pas de prix. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, toi-même, t'es une mère. Je pense que tu as des enfants. Tout à fait. Mais tu te concentres à 100% dans ta vie de famille. Et comment en fait tu fais entre ta vie, mais là tu viens de relancer. C'est ça. Comment tu vas équilibrer ta vie familiale et ta carrière, la vie d'artiste. Tout à fait, oui. C'est pas évident, hein. C'est pour ça que j'ai pris le temps. Parce que, comme je disais, j'étais très jeune et la scène musicale, je cache pas que ça m'a fait un peu peur sur le coup. J'étais pas prête. Je l'ai fait. J'ai fait le Bataclan avec Papa Taboulay. Mmh. J'ai fait aussi le Cabaret Sauvage avec Maman Miliabel. Mmh. Donc, j'ai goûté un peu à la scène. Mais pour moi, ce n'était pas le moment. Je n'avais pas la maturité. Je n'étais pas prête forcément de le faire à ce moment-là. Et en tant que maman aujourd'hui, bien sûr, la famille, c'est la priorité. Mais il ne faut pas oublier le don qu'on a en soi. Ouais. Quand on le refoule, on le met de côté, ça nous étouffe. Donc, au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Ouais. Tu sais, Noli, moi, je me réveille la nuit. Mon père aussi avait le même don, avec des mélodies dans la tête. Ça résonne, ça résonne, ça résonne. Tu es obligé de te lever et d'enregistrer. Et si tu n'enregistres pas, le matin, tu vas dire « Ah, oh, je suis tellement fatigué », ça s'évapore. Mmh. L'inspiration, elle disparaît, en fait. Donc, quand c'est en toi, tu peux pas, t'as beau le non, voilà. Ça te révolte en fait. Tu vois, comme on dit, chasser le naturel et revient au galop. Ouais. Donc la musique, même si j'ai ma vie personnelle, j'ai fait mes choix, j'ai fait mes études, c'est en moi. Donc j'ai pas trop le choix. Donc c'est quelque chose qui est en toi, c'est inné en fait. C'est inné, tout à fait. C'est un don. C'est un don. Raison pour laquelle je voulais savoir si la musique pour toi c'est une passion ou c'est une question, une histoire de famille. Mm-hmm. Donc je pense que tu es dans les deux en fait. Je suis dans les deux. Donc tu peux avoir une passion sans pour autant la pratiquer tout le temps. Mais c'est en toi, tu vois, c'est en moi. Donc je peux pas le nier et tout ça. Tu vois, c'est juste que faire la musique n'était pas ma priorité. Au moment où les gens s'attendaient, comme son père chante, sa mère chante, elle a chanté, ça y est, elle va faire carrière. Non, c'était pas le moment. Comme font d'autres artistes en disant que, moi je ne verrais pas que mon enfant puisse faire de la musique, tout ça, je connais le machin, nanana. Et voilà. Pour toi, les parents, ils n'ont jamais été contre. Alors, ils n'ont pas forcément été contre, parce qu'ils savent que si l'enfant a un don, tu ne peux pas l'empêcher, au groupe, et que ça a été. Mais ils connaissent le milieu. Et ils savent que dans ce milieu-là, ils n'ont pas que des amis. Il y a des prédateurs aussi. Il y a des prédateurs aussi,
qui s'en prendront à leurs enfants s'ils n'arrivent pas à les atteindre. Et je sais que ma maman, maman Bilia, elle a toujours eu cette peur-là, surtout en tant que femme. Tu sais, elle a un long parcours, hein, elle a plus de 40 ans de carrière. Donc elle a vu les hauts et les bas. Elle en a vu toutes les couleurs dans ce métier-là. Et donc je pense que oui, pendant un moment, elle avait peur quand même. D'accord. Mm. Et sans indiscrétion, ça c'est entre nous, mm. entre papa Tabou et maman ouais. Bilia, il n'y a que toi ou il y a eu d'autres tabous Donc de l'union de mes deux parents, oui. je suis la seule. Ok. Papa Taboulé et maman Biliabel n'ont eu qu'un seul enfant qui est moi. Ok. Du côté de maman Biliabel, nous sommes trois filles, d'accord. Donc, dont je suis la cadette. Ok. Voilà, donc on a Yvette, Fifi, que tu as eu l'occasion de rencontrer. Okay. Oui. Et du côté de papa, toi-même tu sais, Tosa est belé. Tosa tellement est belé, n'a autant à nombreté, ça fait tellement polémique, mais on est nombreux. Oh, tu sais que ça fait polémique aussi. Ah, c'est un sujet de, bon, parfois de moquerie, des fois de comédie. Non, ça va. Mais après avoir plusieurs enfants, c'est pas aujourd'hui un sujet tabou. Tabou, hein. Mais moi, tabou, hein. C'est tabou. Donc reviens sur le tabou. C'est ça. Ah, je comprends maintenant. Ouais. Donc, pas un sujet tabou, parce qu'on revient sur le tabou. Tabou. Mais heureusement, moi, je suis tambour. Bon, il y a un peu de limite. Un peu de... C'est ça. Mais moi, j'aime bien avoir des enfants. Ouais, oui. Beaucoup d'enfants, pourquoi pas ouais, Pourquoi pas. Donc, les enfants, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Hein. D'accord. Vrai. Mais entre vous tous, vous êtes dans de... Ça va, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. C'est vrai qu'on ne se voit pas tout le temps. Oui. Ça, c'est sûr. J'imagine. Comme, par exemple, Youssoufa, je pense que ça fait au moins... Peut-être un mois que je ne l'ai pas eu au téléphone, ça fait peut-être 6 mois qu'on ne s'est pas vu. Mmh. Mais quand on se voit, que ce soit lui, Peggy, on s'aime ou tellement. Charles. Qui aime trop les parler, Charles, la Charles. Amis, ou bien Charles Asmekang, mmh. Tabou. Oui. Quand on se voit, c'est de l'amour pur, en fait. Voilà. Donc la distance, le temps, ce n'est pas ça qui définit notre amour. On est autant, on est une multitude, mais on est comme ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, je pense que le vieux, comme on l'appelait, qu'il a vraiment laissé inculqué à chaque enfant. Et ça, c'est une bénédiction parce qu'on aurait pu se déchirer. Hein. Autant d'enfants, d'unions différentes, c'est compliqué. Mais vous avez, parfois. Même s'il y a des d'unions différentes, mais il y a une marque en vous. Exactement. Vous êtes facile à être identifié. Ah ben déjà ça. Tu sais que c'est incroyable, le fait de se ressembler, c'est incroyable. Tu sais que même parce qu'on a beaucoup de métis dans notre famille. Mm-hmm. Même des métis, pareil. Même les métis, quand tu les regardes bien, tu dis, celui-là. La marque table. La marque, elle est là. Mais tant mieux quelque part. Hein. J'ai même dit dernièrement, photo celle, ça arbre généalogique, parce qu'on est tellement nombreux. Donc... Alors, on peut vous identifier facilement, bah oui, le visage, ça se voit, nanana, mais il y a quoi en fait de particulier? Ah ben, le nez, hein. Ah le nez, ça c'est... Oui, mais sans aller dans la classe, on a fait la mention, quoi. Ah, non, il y a moi. Mais bien sûr. Ah tu sais, quand papa était en vie, il me regardait des fois, il me fixait comme ça. Parce qu'il voyait sa photocopie. Oui. Et même moi, parfois, ça me fait peur. Au moins, on s'équipe, ouais, tu vois ton... Surtout quand j'avais pris du poids, c'est dingue. Ouais, et je crois qu'Aristote nous aide là. Et là, vraiment, on voit que ouais, quand tu avais pris du poids... Quand j'ai pris du poids... Mais c'est incroyable, c'est ton père en vrai. C'est mon père. Donc du coup, même lui, et je pense que de tous les enfants, je dois être parmi ou celle qui lui ressemble le plus. Mais en étant... C'est ce qu'on me dit. En étant une fille. Et c'est ça qui est un peu plus choquant, parce que j'aurais pu être un garçon, mais même en étant une fille, il y a une ressemblance incroyable, quoi. Et au début, ça me gênait un peu, parce que je me disais, oh là là, j'aurais voulu ressembler à ma mère, qui est toute jolie, toute belle, avec les joues et tout. Donc, étant petite... Un peu bien foutu, là. Voilà. Ouais. Et du coup, quand on me disait, tu ressembles à ton père, au début, c'était, oh là là... Tu vois, cramé, c'était... Quoi. Oh là là, j'en avais marre. Mais avec le temps, et surtout depuis qu'il est parti, c'est comme si je le porte avec moi. Ouais. Donc c'est une joie, c'est un honneur de porter ce visage-là.
Ouais, je l'assume à 100%. Même plus, avec le gros nez de papa, je l'assume à 100%. Très fier. Ouais. En plus, nous, le papa, le père, on est très, très, très complices avec nos filles. Hein. Oh là là, très. Ouais. Très. Voilà. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Mélodie Tabou. On essaie un peu de comprendre. Et aujourd'hui, ton père ne plus. Ouais. Là, bientôt, c'est 10 ans depuis que, qu'il a tiré sa révérence. Et quel souvenir gardes-tu de ton défunt père? Je sais qu'il est parti, ouais. Oui, en chair, mais il est là, en esprit. On le voit. Oui, oui. À travers Mélodie, à travers tous les tabous, à travers ses chansons. Quel est ce souvenir que tu gardes jusqu'à aujourd'hui? Ou ce qui t'a plus impacté? Impacté. Oui, voilà. Déjà, je m'estime heureuse de pouvoir entendre sa voix. Tu sais, quand tu perds un être cher, où est-ce que tu vas écouter sa voix? Mais lui, il y a sa musique, il y a des interviews. Donc, j'entends encore sa voix. Sa voix, c'est quelque chose qui te soulage, en fait. Ça me soulage, tu sais. J'en parlais dernièrement, je disais, il y a des moments où je ne peux pas écouter sa musique. Parce que c'est tellement fort que ça te frappe, tu commences à pleurer. Mais il y a des moments où ça me donne le courage. Des moments dans ma vie où c'est dur. Ça te fortifie. Je mets une chanson de papa et... C'est comme s'il est derrière moi, il me pousse, il me dit, ma fille, vas-y. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'était que ce qui était bien chez lui, c'était son franc-parler. Papa, quoi, bim, c'est là, il avait la bouche. Même quand il a eu paix à son âme, même quand il a fait son AVC. Je vais te raconter une anecdote. Il y a un jour où, parce qu'il était entre la Belgique et Paris. Oui. Et là, je venais, ça fait plus de 10 ans, hein, ça fait au moins 15 ans, je venais d'acheter ma première voiture. Donc, je suis partie chercher le vieux avec ma voiture. En Belgique. Belgique pour venir à Paris. On était avec ma sœur Ina Tabou, la petite sœur de Charles, hein, de Brazzaville. Je leur fais des gros bisous. Et c'est moi qui allais conduire. Du coup, on descend le vieux, tu sais, il était dans son fauteuil roulant. La voiture est devant. Hein. C'est quoi, papa, l'obi? Mais oh, Ina, wapi moutouka. Le vieux, il s'est foutu de moi. J'ai dit, papa, la voiture est là. Elle est là. Ah, Penza, si, Paris, est-ce que tu es au coma? Donc, le vieux, malgré, il était, tu vois. Donc, il avait la bouche, du coup, à côté de la voiture. Lui, quand il était en voiture, à Simba Kara, tu vois, le poignet là. Tozo, la voiture en peso roulait bien. Donc, il était comique, en fait. Quand tu vois que malgré son état, il avait toujours de la répartie, il avait un franc-parler, ça faisait plaisir quand même de savoir que c'était Taboulek dans toute sa splendeur, malgré son état physique. Donc voilà, sa voix, sa personnalité, quelqu'un de très généreux, qui aimait partager avec les autres. Donc il peut avoir une mallette d'argent là tout de suite, 10 minutes après à Kaboli, Kaboli na batou et tout, ça le gênait pas, quoi. C'est cet esprit de partage, cette générosité. C'est parmi des souvenirs. Des très bons souvenirs. Donc, voilà. Voilà. Et aujourd'hui, quand même, parmi les confidences que je disais, quel genre de père qu'il était? Papa, c'était un papa qui ne tapait pas. Lui, il te frappait avec les paroles. Ses paroles étaient puissantes. Il était, comme je dis, cool, hein. Un papa poule, alors. Papa poule, malgré le fait qu'il n'était pas tout le temps là, mais quand il est là, vous sentez qu'il est là, il vous offre des cadeaux, il vous fait rire et tout. Mais lui, il n'était pas du tout matérialiste. Lui, son souci, c'était que ses enfants soient bien. Ses enfants soient heureux. Il a eu beaucoup de filles, il nous a eu beaucoup, beaucoup de filles. Donc même dans nos relations, le principal, c'était pas qu'on nous couvre de cadeaux, mais qu'on nous traite bien. Il était très respectueux,
Ça d'ailleurs, il nous l'a transmis, hein, le respect c'est primordial. C'est un de mes principes de vie, de respecter les autres. Oui. Même à ta bébé, il faut respecter pour qu'il te rende ce respect-là en retour. Tout à fait. Comme on dit, le respect est mutuel. Hein. Mutuel, tout à fait. Donc en tout cas, un papa vraiment qui communiquait beaucoup. Qui communiquait beaucoup, beaucoup. Donc c'est un papa, malgré les problèmes ou même si tu fais une bêtise grave, il était toujours ouvert. Toujours ouvert, à l'écoute et plein d'amour. Donc franchement, on n'est pas parfait. Tout à fait. On n'est pas parfait, mais moi en tout cas, je garde des très bons souvenirs de lui. Très bons. Voilà, merci beaucoup Mélodie Tabou. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous regarder. Donc voilà, un grand merci à maman, mamie Miline Zemba. Mamie Miline Zemba, elle habite en Belgique, mais elle est très très fière de toi. Voilà, mamie Miline Zemba. Je lui dis bonjour aussi, oui. Maman Miline Zemba. Maman Miline Zemba, il y a tous les pépélés en bétolo. Merci beaucoup, t'es belé. Voilà, Nabiso. Donc voilà, à Simon Bidi Easy Cash également, Suzanne. Na opesa mbote mingi na le sénateur Didier Mbondo oui bino ya bino tabuye yo na batu tout bana Suisse vraiment te Suisse va vraiment ebele ki baola na biso qui encore na pesa mbote vraiment mingi na le grand juif voilà na biso Simon Bidi aussi se cache na pesa mbote bele bozo vraiment ebele na Suisse wana bozo tala biso à travers cette émission Héros Show, donc la première dame Mexico, il y a Venabiso Gobe Licha. Cynthia Maeta, la couleur d'origine. La couleur d'origine, Cynthia Maeta, a fait ce peu en beauté. Il y a dans la Belgique. Bonjour, bonjour Cynthia Maeta. La Belgique. Et juste une petite anecdote aussi, j'allais dire que j'étais aussi parmi le premier à interviewer la famille en Belgique. Le défunt père est parti, quand il est mort. Na salle, je crois, à l'époque, il y avait Suina Bosanité, il y avait moi, il y avait Johnny Aimpi, je crois, et on avait fait le reportage à, l'hôpital clinique, une clinique Saint-Luc, comme ça. C'est ça. Donc on était parmi le premier à interview, à faire des images. Je fais le déplacement, je quittais Paris jusqu'à pour aller de l'autre côté en Belgique. Il y avait aussi Ika Ideyong que je salue aussi. Donc voilà, je garde vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs et à chaque fois, s'il y a quelque chose de Papa Taboulay, en tout cas, je fais l'effort d'être présent et je pense aussi que ces 10 ans, le 10e d'année, les 10 ans de sa mort, à Kinshasa, je ferai un effort de participer. Peut-être, pourquoi pas prendre la parole. Parce que l'histoire, Tozali quand même, Tozala, bon, malgré tout, histoire, il y a pas 10 ans, mais quand même, nous, on était là, en Belgique. Peut-être qu'il y aura un témoignage à donner ces jours-là. Mélodie Tabou, bientôt, je fais une petite parenthèse, et bientôt, il y a ton album qui arrive, le single qui arrive. C'est ça. Alors, ce sera le titre, c'est quoi? Parce que là, tu en as tellement de chansons, tu en as tellement de mélodies que je ne sais pas si on commence. Oui. Sans indiscrétion, le titre, c'est quoi l'intitulé de ton album, de ton nouvel album ou single? Alors là, ce sera un single. Je préfère garder le titre comme une surprise. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sera avec un membre de ma famille, deux. Ah, voire deux. Voire deux. D'accord. De la famille. Et ça va sortir cet été. Donc, cet été. Mais le titre? Le titre, point d'interrogation pour l'instant. Et t'es un producteur, qu'est-ce qui te manque du tout? Je me manage toute seule. Donc, je n'ai pas encore de producteur, vu que je n'étais pas à fond dans la musique. Donc, j'ai composé la chanson toute seule. Et sur la prod, il y a mon frère Abel Tabou, à qui je fais des gros bisous, qui a bossé avec moi. D'accord. Mais l'inspiration, c'est moi, c'est moi qui ai composé. La production, tout management, tout seul. Toute seule. Toute seule. C'est ça. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui veut t'appuyer, accompagner ou t'aider. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Parce qu'il y a des grands mécènes qui nous regardent. Hein, bien sûr. Bien évidemment. Bien sûr. D'ailleurs,
pour les 10 ans de papa. Oui. Donc je compte faire un album de reprise. Ok, ouais, pour c'est pas mal aussi. Un album de reprise des chansons de Papa Taboulaye. Mmh. Donc, s'il y a des mécènes qui veulent sponsoriser, ce sera avec grand plaisir. D'accord. C'est pour vous, c'est pour vous les mélomanes. Oui. Je sais que nos papas, nos mamans... C'est pour vous les autorités. C'est pour les vous autorités. Les autorités. Surtout, Bama, c'est à Papa Lelou, Bama Ministre. D'ailleurs, hein? Il y a pas à la guipée excellence. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Hein, Papa Gentilingobila, je te fais des gros bisous. Voilà. Tu es au courant du projet, donc toi, tu es le premier concerné déjà. Voilà. Le premier concerné déjà. Et le premier citoyen de la ville aussi. Premier citoyen de la ville. Donc, voilà un peu. Bah, Papa Nabissoba Godard, Motemona, Yabanakin. Papa Godard, voilà. Oui. Vous êtes ébélé, hein. Donc. Vous êtes tellement ébélé. Voilà. En tout cas, nous demandons votre assistance. Et au sala penza bien na batutu au baolanda penza biso pour appuyer Mélodie Tabou. Est-ce que Togo Yokate, quelle est la chanson où ça t'a plus marqué? Ouais. La chanson de ton père. Hormis Bébé, ouais. En duo. Mais quelle est cette chanson que toi personnellement que t'aimes aussi? Que j'aime. Oui. Tu sais, moi je suis très ancienne. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai que bon, mon arabe, ouais, je suis jeune, mais même ma mère me dit, mais toi tu écoutes des vieilles chansons comme ça. On dirait mon koloboé. Ouais. Et j'aime beaucoup les vieilles chansons. T'es comme Warren. Voilà. C'est un petit métier comme ça. Mais lui, il dit pourquoi Billy est belle. Ah, tu vois. Warren Martins. Warren Martins. Okay. Salut Warren Martins. Le garçon. Donc, Cynthia Maeta. Une chanson que j'aime beaucoup de papa, il y en a tellement, mais une que j'aime beaucoup, c'est Ki Wele Wele. Je ne sais pas Ki Wele Wele. Si je le dis Ki bien. Ki Wele Wele. C'est la bisongo, il met la bisongo. Voilà. Likamoli koela mote naebi. Mokuya mokoela moto ngoya o nalobate mote mama wate. Après le refrain c'est ah ki wele ah ki wele Maria ki wele ah ki wele. C'est ça que t'aimes bien. C'est une des chansons que j'aime beaucoup. Voilà. Bongo, yeah. Bongo Mazé. Mazé aussi j'aime bien. Moi un petit morceau. tu vas mal le prendre, mais les paroles de Mazé. Parce que. Je maîtrise pas, mais ouais. C'est aussi une belle chanson. Voilà. Mais j'aime aussi Shauri Yako, oui. Qui l'a chanté okay. Avec maman. Oui. Shauriako, 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 gone away. Shauriako, you know I used to love you. I miss the la 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 di song, gone away. I miss the la 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 di song, gone away. Là, c'est chanté avec? Avec Billy Abel. Billy Abel. En duo, ouais. Ça, c'est en Swahili, non? C'est en Swahili. Swahili mélangé avec de l'anglais et tout ça. Ok. Maman Biliabel est Swahili, non? Non. Oui, elle a un côté Swahili, elle est de l'Équateur. D'accord. Et du côté de mon grand-père, il était moitié Swahili. Donc du coup, elle parle le Swahili, elle le chante. Et toi aussi, c'est moi Swahili? Ah, c'est moi Kidogo. Kidogo, Kidogo. Même pas Kidogo, même pas. Ah. J'ai même dit à ma mère, à ça l'erreur, il fallait qu'elle nous montre voilà. Le Swahili, parce que j'aime beaucoup le Swahili. Ouais, c'est bien, j'aime ouais. Bien hein, le Swahili. Hein, Swahili. Ouais, mais Mina Sema Kidogo. Iko Mukongo Mundundu, mais Mina Sema Kidogo. Tu es Mukongo de Bandundu? Non, je suis, mon père est du Bandundu. Du Bandundu. Ma mère est du Bakongo. Du Bakongo. Mais je grandis avec le Swahili, le Balubakati. Ok, ok. Et okay. C'est pour ça que je parle un peu Swahili. Bon, ben c'est bien. On a la culture, on est à moi, Swahili. Le Swahili. Ah. Mais tu pourrais passer pour un Swahili. On moi, t'a déjà dit ou pas? Oui, oui, si, si, si. Bon, tu beaucoup, passer, de ouais. Ça, ouais. Mm. Beaucoup de gens me disent ça, oui. Beaucoup de gens me disent ça, oui. Et cette éducation, le respect, le calme, ils ouais. Ont côté dans Zwango et à. Swahili. Ah, mais ce que ouais. Swahili, moi, le balan a besoin de te pour meilleur, mais la rabelle. Parce que les Swahili, ça. Ça boit. Ça boit. Ben oui. Oui, ouais, ça boit. Mm. En tout cas, ba Toto Nyonso, y'a Lubumbashi, y'a Katanga, y'a Beni, y'a Kolwezi. Hein, en tout cas, Tolingi Binomini. Trop. Mina Bupenda Sana. Mina Bupenda Sana. Mina Bupenda Sana. Y'a Yuko Ndukuyangu. Hein? Y'a Yuko Ndukuyaku.
Donc, tu peux suivre nos bambouté. Et belé, babi bignon, sort, tout avant. On a fourré ça, on a fourré Isana. Tu peux suivre nos. Moi, pour moi, soyez les côtés français, côtés lingala, et comment moi, et tout ça. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Mélodie Tabou. Alors, merci. Nous avons parlé de papa. Oui. Parce qu'on a dit que Mélodie est de père et de mère. Rebi loi tchani mo rebi mia. Loi bi mia. Ouais. Maintenant, tu rebi mia. Loi maintenant est tchani na kota ba artiste. Si tu es né de père artiste, mais de mère artiste, tu es. Ah, oye mbate. Oh, voilà, on se loue guerre. Boba la Toto Juna. Au bois, si la Toto Juna. Ah, bah Gims ou Babima. Bah Ficha, bah Gims, Dadju. Ficha. Elle chante bien aussi. Des gros bisous, oui. Allez, je t'envoie ça. Bah oui. Gros bisous. Ah, bah des pères et des mères, peut-être, bah, c'est grave, hein. Oh. Qu'est-ce que tu as YouTube où tu as la Ficha? Jesha. C'est le nom d'artiste, Jesha Juna. Jesha Juna. Oh. Elle cartonne. Ah, salut, moi, Elo Wamkeme. Ça va. Elle a fait Yeke Yeke et pour la vie. Ouais. Moi, Zouk, si. Magnifique. Je lui fais des gros bisous. Grosse force à toi. Ouais. Hein? Force à toi, Jesha. On est ensemble. Et si on regarde aussi de côté de Weranson, il y a Exaucé ou Exaucé, je crois qu'il chante. Hein? Ah, ou Gladys. Okay. Exaucé aussi, elle chante très très bien aux États-Unis. Je vais regarder. Bon, on va avoir des pères. Aussi. Des pères, mes problèmes, ils étaient bisous Exaucé, bisous Gladys, papa Weranson. Mon papa. De côté de JB Piano aussi, il y a Junior qui Junior, chante. Oui, salut Junior. J'ai vu ce qu'il faisait mais un peu. Mais maintenant, c'est pas mal. Mélodie de père et de mère. Quelle grâce! Alors, je crois que. Yo, ça a moi portion. Moi, va les rajouter, j'espère. J'espère aussi. Et mais d'ailleurs, ce que tu viens de dire en parlant des enfants d'artistes, ouais. J'aimerais bien les réunir, en fait. Ça, c'est bien. Parmi mes initiatives de. Parce qu'on a quand même des vies incroyables. Quand tu regardes même. Papa JB, que je salue, Papa Weranson, tous les artistes. Papa Kofi Olomide, avec Kofi Didi, Olomide, que j'apprécie énormément. Voilà. Force à toi, Didi Stone. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose avec les enfants d'artistes. Parce que nos parents ont quand même marqué, et ils marquent jusqu'à aujourd'hui tout la vie des citoyens congolais. Donc je pense que ce serait important de se réunir et faire quelque chose. Donc tu veux lancer la fondation Je lance. Vu que je suis de père et de mère, loi Chani, c'est quoi? Je suis légitime. Donc. Ah, bien sûr. Hein, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Par soi-même. Voilà. C'est ça. Et des côtés, ce des yo, côtés. Tu vas te retrouver où? Du côté de ton père ou du côté de ta mère? Je suis obligé de faire 50-50. Voilà. 50-50, je suis au milieu. Et on ne veut pas que vous puissiez nous piquer, hein, de piquer cette initiative. Belle initiative. Ouais. Parce que tu dis que tu es vraiment idée à bateau. Quand tu dis comme ça, mon homme, tout le monde. Bah, oui. Mais il faut être aussi des pères et des mères pour cause à l'initiateur ou initiatrice de ce projet. Alors, maman. Oui. Maman Billy Abel. Quel genre de femme tu dis que. C'est la maman qui garde, c'est la maman qui est souvent avec les enfants, tout ça. Ouais. Quel genre de maman qu'elle est, ouais. Pour ne pas dire qu'elle était, mais elle est toujours, elle est encore là. Quel genre de maman qu'elle est? Maman Billy Abel, c'est une maman très franche, très généreuse, mais c'est une acharnée de travail. Et tout le monde le sait. Donc ça fait que. C'est son travail avant tout. Avant, pendant un moment, c'était quand même le travail. Elle s'était vraiment donnée corps et âme au travail. Aujourd'hui. Avec l'âge, elle est beaucoup plus présente. Donc même, c'est quand je l'ai eu au téléphone, je pense hier. Hier même, on était ensemble au téléphone. C'est une mère vraiment généreuse. Aujourd'hui, elle a beaucoup plus de temps. Donc là, actuellement, elle est à Kinshasa. Maman, quand j'arrive là, j'arrive à Kinshasa là. Là, vendredi, là, demain, là, vendredi, je pense que moi, interview, c'est toujours une interview. Et ça va bien. Parce qu'à chaque fois, moi, toujours attendu. Oui, quoi, oui, donc, oui. Oui. Ouais. Non, c'est une maman aussi très cool. Franchement, j'ai de la chance d'avoir des parents très cool, avec un franc-parler et tout. Mais elle est très carrée, hein, de nature. C'est quelqu'un de très organisé. Alinga Babouzo Baté, tu vois. Elle est très. Autant elle est cool, elle le dit même dans les interviews, elle est très cool, elle s'aura bien. Mais c'est quelqu'un qui est, voilà, elle est carré. Elle est carrée. Elle aime que les choses soient bien faites, bien organisées. Elle n'aime pas le désordre. Mais très cool. Et elle est comique à un point. Oh là là.
Elle fait tellement rire. Donc, bon, ça l'interview, bon aussi. Ça se voit. Bon, c'est quand des fois on la voit comme ça, tu dis une diva et tout. Mmh. Bon, ça peut-être pas du tout. Ouh. Quand vous soyez bon, va dire surtout soit Sepelina. Oh là là. Ben oui, t'as un visage tout innocent, un visage de bébé. Donc. Faut pas dire ça, ils vont profiter, Mélodie. Nara fragile. Hein? No comment. Bah, on profite, ma baronne, no libo, noté, no la violente. Non, je suis pas violente, t'inquiète. Donc, voilà quoi. Ouais. D'accord. Et vous avez grandi comment? T'as grandi comment avec ta mère? Avec maman. Oui. Moi, je suis née à Paris. Je suis parisienne de naissance. Donc, j'ai vécu avec maman jusqu'à l'âge de 6 ans. Après, je suis partie vivre avec papa. Okay. Donc, il y a eu quelques tiraillements entre les parents, la séparation et tout ça. Donc, après, j'ai été vivre avec papa. Et à l'âge de 10 ans, papa m'a emmenée avec lui aux États-Unis. À l'époque, il travaillait avec David Garr, c'était un producteur américain. Et moi, j'étais la toute petite, la chouchou de papa et tout. Donc, j'ai vécu avec papa plus qu'avec ma mère d'ailleurs. Ok. Voilà, donc j'étais très, très fusionnelle avec avec papa tabou. Et, ça aussi, c'est une confidence, ça. Ah oui, c'est une confidence. Mais ceux qui savent, le savent. Ouais. Ceux qui connaissent bien la famille savent que c'est vraiment papa qui était avec moi tout le temps, quoi. Mais t'as élevé vraiment. Qui m'a élevé. Donc parmi tous les enfants de papa, j'ai quand même eu cette grâce d'être avec lui le plus souvent. Contrairement aux autres, plus maman, papa. Voilà, n'est pas moi là. C'était vraiment papa. C'était beaucoup papa. Et quand il est parti à Kinshasa pour faire la politique, à ce moment-là, je suis retournée avec la famille maternelle, du coup. Aux États-Unis. Donc avec ou à mes sœurs. Non, je suis revenue à Paris. D'accord. Parce que là, j'étais aux États-Unis. Et en 97 pour les Belges, 97-98, papa est retourné à Kinshasa pour faire la politique. Mmh. Mmh. Voilà. Donc maman, pas beaucoup de souvenirs. Si, on a beaucoup de souvenirs. Mais c'est vrai qu'il y a eu une longue absence. Parce que moi, j'étais aux États-Unis. Bon, il y avait quand même des tiraillements entre les parents pendant un moment. Ça, c'est les histoires de couple. Oui, oui. On ne veut pas encore en parler. On ne veut pas encore en parler. Non. Hein? Parce que les gens disent, oh Noli, quand les gens passent dans tes émissions, ça fait toujours. Hein? Mais là, tu vois. Non, bon, il n'y a rien à cacher. Hein, après, ils vont demander encore, non, il fallait tout quand même. Il fallait poser cette question. Eh, Mbadi, je ne veux plus de problème. Bon, c'est comme ça arrive. Hein, ça arrive, bien sûr. Les histoires de famille, ça arrive. Et d'autant plus des personnages publics comme ça, le monde a vu la séparation, les tiraillements, les conflits. Mais je dis Dieu merci, avant que papa parte, paix à son âme, ils ont fait la paix. D'accord. Ils ont fait la paix parce qu'il y a cet incident du FaceSpam où papa avait remis le bouquet de fleurs, où maman avait refusé. Elle en parle après. Bon, c'est Nakadra Bolingo. Tu sais, des fois, il y a des histoires comme ça. Vous ne savez pas ce que le couple ou les deux vivent dans les coulisses. Nous, on va juger en fonction de ce qu'on voit. Bon, elle s'est excusée pour ça. Elle dit qu'elle était un peu choquée de le voir directement sur scène parce qu'ils avaient fait des années, ils ne se parlaient pas. D'accord. C'était une surprise. Surprise et elle a pris un peu comme une attaque. Et bon, le vieux, ça l'avait humilié quand même. Tu vois, et puis les gens étaient fâchés. Hein. C'est le Seigneur quand même. C'est le Seigneur quand même. Mais bon, Nakadra Bolingo qui Seigneur les athées. Hein. La Bolingo qui a fait la bataille. Voilà. Donc du coup, c'était un chapitre assez douloureux, assez dur. Mais voilà, c'est des histoires de famille. Et j'ai vu l'impact qu'il avait quand il est mort. Maman était très touchée. Et elle essayait de se retenir. De cacher un peu. De cacher. Mais tu vois que... Parce que, imagine-toi, cet homme-là, la prise, elle était toute jeune. Il l'a fait entrer sur... Bon, elle était déjà sur la scène musicale, mais il l'a propulsée, il l'a encadrée. Mmh. Il a fait d'elle Mbilia Belle, la Cléopâtre, la chanteuse. Malgré son talent, elle le dit au quotidien. Mmh. Elle le remercie tout le temps. Pour son encadrement. Pour son encadrement, ce qui lui a... L'opportunité. Voilà, ce qui lui a appris, pas que dans le cadre musical, dans le savoir-vivre aussi, en tant que femme, en tant que personnalité. L'encadrement. Et vu la différence d'âge aussi, il avait
une certaine sagesse à lui apporter. Donc du coup, voilà, donc c'est ça un peu l'histoire de Millie Abel. Donc une femme incroyable, incroyable. Elle ne regrette pas aujourd'hui d'être absente ? Absente quoi dans... Oui. Oui, bien sûr, il y a quand même des regrets de voir peut-être... tu sais, quand tu es absent pendant peut-être une semaine, tu ne vois pas tes enfants, quand tu les revois, tu dis « Oh, il a grandi, ouais. Ou il a changé si, et si, tout. Si, » Donc du coup, ça c'est fait comme si tu as raté quelque chose. Donc oui. Il y a quand même des étapes de ma vie que ma mère a ratées. Mais aujourd'hui, je suis contente. Elle est là, elle voit ses petits-enfants. On était à Kin même avec les enfants en 2021. Avec elle, on était avec toi aussi à Kinshasa. À Kinshasa, au mois de mai. L'année dernière. 2022, pour le lancement ouais, d'ACP. Oui, 2022. De notre papa Gentilly. Oui. Donc on était, au mois de mai, d'ailleurs. Au mois de mai, oui. Voilà, ça fait tout juste un an. Oui. Et oui, c'est clair qu'elle elle regrette. Donc elle essaye de se rattraper comme elle peut. Et aujourd'hui, on s'appelle tous les jours, pratiquement. Est-ce que Mélodie Tabou, est-ce que tu as un mot, quelque chose à dire à ta maman? À ma maman? Maman Millie Abel, qui te regarde à travers cette émission. Ouais. Est-ce que tu peux regarder, le regarder, oui. Et regarder notre caméra plutôt bien et sûr. Dire quelque chose? Tout à fait. Mommy, je l'appelle Mommy en anglais, et elle m'appelle Baby. Mommy. Donc maman en anglais. Mommy, tout ce que je peux te dire, c'est que je t'aime énormément. Je te respecte pas que en tant que ma mère, mais en tant qu'artiste incroyable. Je te souhaite une longue vie. Continue à être comme tu es, continue à inspirer, à toucher les cœurs. Je bénis le ciel de t'avoir comme mère. On a à peu près les mêmes caractères, on a le même regard, on a beaucoup de choses en commun. Et voilà, je t'aime très fort et le reste, on se le dira toutes les deux. En te regardant, c'est comme si t'avais quelque chose à dire à ton maman. Est-ce que... Ouais. Moi, je voulais qu'il y ait cette émission quand même... Oui. On peut, vous pouvez vous parler même au téléphone, même en dehors de nos caméras. Ouais. Mais est-ce que quelque chose que tu as fait à ta mère, tu l'as offensé, tu as fait quelque chose peut-être aujourd'hui à travers cette émission, j'aimerais bien dire à ta maman, maman, je fais ceci, cela, qui n'était pas, que tu ne voulais pas, voilà, de trucs comme ça en fait. Mais écoute, je pense que les années où il y avait l'absence, j'en ai voulu beaucoup. Parce que tu sais, en tant qu'enfant, tu boudes. Tu boudes tes parents en fonction de ce que tu vois. L'absence, tu dis, on ne m'aime pas. S'il n'est pas là ou elle n'est pas là, c'est qu'il ou elle ne m'aime pas. Mais j'ai compris avec le temps. Donc, sache que, mamie, je ne t'en veux absolument pas. L'eau, comme on dit, a coulé sur les ponts. Et aujourd'hui, elle le sait, mais elle sait que j'étais fâchée contre elle pendant un moment. Elle le sait. Pendant certaines années où j'étais avec papa, je pense que, en tant que, comment dire, en tant que ex-couple, les enfants en pâtissent quand même. Tu dis, comme il a pris l'enfant, je ne vais pas appeler. Hein? Tu vois des choses comme ça, ou comme il a pris l'enfant. Et c'est là, et en défaveur de, De l'enfant. C'est l'enfant donc qui c'était souffre. Un peu ça. Ouais. Donc les gens, quand ils voyaient Millie Abel, Taboulaye, on voyait les artistes, tu vois, mais on oubliait que c'était des êtres humains aussi. Mm-hmm. C'était un homme, une femme qui avaient leur sensibilité, leurs émotions, leurs échecs, leurs égos. Tout, ouais. Donc il y avait des choses qui se passaient en coulisses. Mais ce que j'ai apprécié chez mes parents, c'est que la vie privée a toujours resté privée. Il y a toujours des petites fuites, parce que dans l'entourage, il y a forcément des gens qui parlent. Mmh. Mais même pour dire au décès de papa, on était tellement d'enfants. Au Palais du Peuple, on était 43. Ouais. 43 des enfants. On n'était pas au complet. Mais vous n'avez pas vu de chamaillerie, de tiraillement, de polémique. Donc, on était
On a déjà, une certaine... Déjà en parlant de ça, déjà, est-ce que, excuse-moi, hein, je pose juste la question de vouloir savoir peut-être pour certains. Est-ce qu'il y avait une dame chinoise, je ne sais pas, chinoise, est-ce que c'est votre sœur? Non, ce n'est pas notre sœur. La dame chinoise, le jour où elle tournait la vidéo, on était chez ma sœur Ina, Tabou, de Créteil. À l'époque, elle était à Créteil. Papa vivait aussi à Créteil pendant un moment. Et cette femme-là, je ne sais plus d'où elle sortait. Et on avait tellement honte, Noli. Youssoufa et moi, on est partis se cacher dans la chambre. On a dit, Ina, tes histoires là, tes gens là, on ne sait pas d'où ils sortent. Donc, elle amusait un peu la galerie. Mais elle n'était pas la fille de Taboulet. Non, mais on a une sœur qui est moitié japonaise. Ah ouais. Voilà, mais ce n'était pas elle. Elle n'a rien à voir. Vous parlez comment en fait? Bon, ça fait... Malheureusement, je n'ai pas son contact. Mais elle était au concert qu'on avait fait en Belgique en 2002. J'avais fait un concert avec papa. En 2002, elle était là, mais je ne l'avais pas vue tellement embrouillée avec le monde. Et tout ça. Monde, ouais. Mais cette femme-là, Hazan n'est qu'on a bisauté. C'était juste pour amuser la galerie. Quoi. Bon, on a fait une petite parade. Bon, oui. Comme tu es là, bon, essaie de souffrir un peu. Je profite un peu. Est-ce que, bon, tu connais quand même, tu étais tabou, un père, en plus des pères et des mères. Je voulais quand même savoir, est-ce qu'après avoir répertorié tout ça, est-ce qu'il semblerait que vous étiez au nombre de 108? Non, 108 ans. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand vouloir rater dans tout le rabat. Non, je sais, beaucoup de gens se posent la question. Non, 108, non. Mais dans des 100 et quelques. Des 100 et quelques pétés. À part moins le. Moins de 100. La chinoise, bon. 107. Non. Bon, déjà, dans le palais du peuple, on était 43. Ouais. 43. Au palais du peuple à Kinshasa, en 2013, à la mort de papa. Dans le palais du peuple, il y avait 43 enfants tabous. Donc déjà, Moussou, quand la chiffre, bon, estimé à peu près, donc c'est un peu ça. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Mélodie Tabou. C'était juste une petite parenthèse. Donc voilà, aujourd'hui, maman, quand tu regardes, donc Aïbaque, t'as pas de ronquinière. Déjà, ça se voit que t'es pas une ronquinière. Ça dépend, j'ai changé. Dépend. Nazana moi caractère amer hein, suite au kangeli du Kanda. Azara pe ronquinière. Mais à dosa quand même. Mais yo dosa, tu peux yosa nano, hein. Yosa nano. Non, mais avec le temps, tu sais, je me rends compte que ça sert à rien de garder la rancune. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es en colère contre l'autre, ça te bouffe toi en fait. Ça te bouffe. Je dis ça en connaissance de cause, parce que j'ai eu des conflits de famille. Donc, ça arrive à tout le monde. Hein. Et on a perdu tellement de temps, Noli, tellement d'années à se faire la guerre pour rien. Vous avez raté des choses. On a raté des choses. Manaba Botami, Batumsous Babali. Et on avait cette colère. L'ego, la colère, ça ne fait pas bon ménage. Ça crée la rancune. La rancune, c'est pas bon. On peut, sur le coup, dire « Ah, il m'a fait ci, il m'a fait ça, bon. » Ce qui est bien avec moi, c'est que je ne rends jamais le mal pour le mal. Mais quand tu me blesses, je préfère te mettre de côté. Et à ceux qui te regardent, par exemple, quel est le message ou le conseil que tu pourras peut-être me donner Bateau va vivre des séparations. Avec plusieurs demi-frères ou frères, tu veux. L'expérience, en fait, ressenti, non, c'est quoi, en fait Est-ce que c'est quelque chose à tolérer? Est-ce que c'est... Comment tu le vois un peu, cette... Ma philosophie de la vie aujourd'hui, c'est de... ne pas mettre ses principes de côté par rapport à ce que l'autre te fait. On n'est pas parfait. Le cœur que toi, Noli, tu as, ce n'est pas forcément le cœur que moi, Mélodie, j'ai. Ça veut dire que toi, quelqu'un peut te faire du mal, tu pardonnes. L'autre, on peut lui faire du mal, il va vouloir rendre le mal pour le mal. Mais moi, ma philosophie aujourd'hui, c'est de vivre chaque jour comme si c'est le dernier. Regarde comment on a perdu des frères et sœurs pendant le Covid. Quelqu'un avec qui tu étais aujourd'hui, demain il entre à l'hôpital, après demain ou le jour même il est mort. Des fois même des membres de famille. La vie, elle bascule en une seconde. Et si tu n'avais pas dit « je t'aime » à cette personne-là de ta famille, c'est pour ça que la séparation, que ce soit les couples, de grâce, ne faites pas subir aux enfants vos rancunes. Tout à fait. Beaucoup de familles aujourd'hui souffrent des séparations.
et surtout dans la communauté africaine. Et on n'a pas cette culture de garde, de partager. Ouais, voilà. On le voit chez les autres. Des fois, ils sont séparés, mais une semaine, l'enfant est chez l'autre, une semaine, est chez maman, sans chez papa. Sans pour autant passer à aller recourir à la justice. Sans pour autant recourir à la justice et sans se chamailler, sans s'insulter. Et le papa paye quand même les pensions alimentaires. Donc, dans l'ordre, dans le calme. La séparation ne veut pas dire désordre. Hein. Des fois, les séparations sont bonnes. Ça arrange des fois. Mais il faut savoir le faire. Donc, moi, je conseillerais à chacun de vivre le jour, chaque jour comme le dernier, ne pas détester les autres. Parfois, les gens peuvent nous faire des choses par rapport à certaines circonstances. On le voit dans nos familles. Voilà. Des fois, tu peux avoir quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais qui te fait un truc qui te déçoit. Voilà. Mais est-ce que tu dois oublier tout le bien qu'il t'a fait pour cette offense-là ? C'est comme nous, on n'est pas parfait. Mais regarde comment Dieu il nous pardonne tous les jours. Il nous donne le souffle de vie. Il nous épargne. Ouais, des fois, si on devait voir nos lits. Les accidents de maladie. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire à mes frères, sœurs, partout dans le monde. Mmh. C'est ça ma philosophie de la vie, de ne pas prendre la tête pour des petites choses. La colère, pour ton moral, ce n'est pas bon. Ça pour ton physique, ça te bouffe une énergie ça pas possible. Détruit, ouais. Ça te détruit. Donc, voilà. Voilà, merci beaucoup Mélodie, un peu ranquinière, mais bon, ça va. Elle a avoué, c'est bien. Chacun a ses défauts, hein. Voilà. Moi j'ai avoué. Donc, merci beaucoup. Alors, la chanson préférée de maman ? De maman. Comme elle a tellement de tubes, hein. Elle a tellement de tubes. Nairobi. Oui, Nairobi, c'est un classique. Oh, hein. Oui, ça c'est un classique, voilà, que j'aime beaucoup. Il y a une chanson de maman que j'aime beaucoup, ça s'appelle Cher ami. Mimi, c'est la mise au voix, Mélodie. C'est la Mélodie. Nabi, il y a un concert, il y a un peu moins payé, mais. Likambo na boya basalanga, likambo na boya songi songi, payo kakate oye, sebozoba. Hanga na boya koswana, likambo na boya na vinanga, ya solo nga na boya koloba, likambo na boya basalanga, likambo ya ninye, na kututa tolonga, likambo ya ninye. Koko taza mango, ti foli na lingi otro, na kola la tenga, na kobela kobela nzoto e, aye. Ça va quand même? Bah ça va. Mais tes propres compositions maintenant, est-ce que tu as une chanson où en dehors de chansons de papa, ouais, et maman, ta propre composition? Mes propres compositions, justement, c'est le single que je vais lancer pendant l'été. J'ai tellement de mélodies, Noli, et là, je veux J'ai tellement de moi. J'ai tellement de moi que ça déborde même, c'est trop. Oui, j'ai une composition là que je vais sortir. Donc cet été, si vous voyez un single de Mélodie, c'est une propre composition. D'ailleurs, on va partager, on sera là pour faire la pub. On va partager de partout, on va se donner de la force et t'as mon soutien déjà. Merci. Je sais, j'ai conscience. Voilà. Sans M, Noli serré, tabou. Donc c'est la famille. Ouais. Il y a certaines personnes qui m'appellent même Noli tabou. Noli tabou. Mais qui n'en a pas bien, Noli tabou, Noli tabou. Noli tabou. Noli tabou. Noli tabou. Le sage. Donc voilà. Donc cet été, rien. Hein? Un petit truc, un petit morceau, rien. Non. Surprise. Bon, mon émission, c'est quoi, Bozé? T'es ranquignan jusqu'à ce niveau. Déranger Noli, c'est comment? T'es ranquignan jusqu'à ce niveau. Non. Hein? C'est pour donner un peu de... Hein? Voilà, un peu de suspense. De suspense, ouais. Voilà, merci beaucoup Mélodie Tabou. En tout cas, on ne va pas te prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, on attend cet album, le single qui arrive et le préparatif, bien évidemment, de 10e anniversaire du défunt Seigneur
Taboulay Rochereau. Yes. Donc voilà, merci beaucoup. Quel est le message que tu peux nous dire là pour passer aux nombreux téléspectateurs qui te regardent, à tes fans bien évidemment, et aux amoureux de cette belle mélodie que tu es. Merci Noli. Alors avant de vous passer un message à vous les fans, je veux te remercier toi Noli. Merci. Et te dire à quel point je suis fière de ton parcours, de ce que tu fais, de ta Merci. Vision. Merci. Donc va de l'avant, continue comme ça. Ça fait plaisir de voir des jeunes comme toi qui sont partis de j'aime pas dire de rien, mais dans le néant comme des ça, t'es sorti, paf. Et aujourd'hui, on voit le niveau, on voit ce que tu fais, même avec ACP. Voilà, le président. Président de la Ligue des jeunes d'ACP. Félicitations, France. Merci. Donc, ça me fait énormément plaisir et voilà d'être là sur ton plateau. Que je sois la fille d'eux ou non, c'est un honneur d'être là. Tout à fait. Et voilà, je te souhaite beaucoup de force. Merci. Et pour vous les fans, continuez à soutenir Noli à fond, à fond. Prenez soin de vous. Et puis on est là, soutenez-moi. Noli va laisser le lien de mon Insta, de mes réseaux. Là, j'ai pas encore de chaîne YouTube, mais avec les projets qui arrivent. Mais tu peux passer déjà l'Instagram, tout ça. Instagram, c'est Mélodie Tabou. Mélodie avec Y, Tabou, comme mon nom attaché. Mélodie avec Y, sans UE à la fin, non. Mélodie, Mélodie. Avec... voilà, Mélodie attaché. Melody. OK. Mélodie avec Y, Tabou, T-A-B-U. D'accord. À Instagram. Donc voilà, je vous fais des gros, gros bisous. Et voilà. Et un big up spécial à Marlène. Ah, Marlène Yavoussele. Marlène Yavoussele, c'est ma jumelle. Ah. Jumelle de 1m80. Hein? Ngambé à moi aussi, ma jumelle. Et je fais un gros bisou à son papa, Maître John. Maître papa, John. Maman Anto Yavoussele, Gershon. Mmh. Toute la famille Yavoussele, je vous fais des gros bisous. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à l'équipe technique de Congo Top News Monde. Merci à vous, chers téléspectateurs. Donc voilà, à vous tous, la liberté d'expression. Est-ce que tu étais à l'aise quand même? Bien sûr. Je t'ai pas titi aujourd'hui. Non, tu m'as pas trop, ça va. Tu m'as mis à l'aise. J'étais gentil avec toi. T'as été gentil, mais à suivre. Bon, ça, c'est parti. T'es quand même... Moi, j'aime bien le maman, j'aime bien la femme, c'est, il faut, voilà. C'est ça. La liberté, t'aimes bien. Yes. Non, j'aime bien, franchement. Liberté d'expression. En tout cas, big up à toi, Noli. Voilà. Va toujours de l'avant, on est ensemble. Mais ça te fait comment, en fait, t'es né en France, mais tu chantes en Lingala? Ça ne me choque pas, hein. Tu sais, je suis une citoyenne du monde, donc je suis née ici, de parents congolais, j'ai vécu en Amérique, aux États-Unis, donc... pour moi, c'est naturel. Multiculturel. En fait. Multiculturel. Et je pense que c'est une force. Donc, du coup, quand on a cet avantage-là de parler plusieurs langues, c'est une force. Tu as appris à parler lingala à la maison ou... À la maison, et j'ai parlé tard. Hein. J'ai appris vers l'âge de 18 ans. Un jour, je me suis décidé, j'ai dit non, loba lingala. Les gens se moquaient de moi, Noli. Ils disaient, oh, lingala, et on dit comment? Et ngama. J'ai dit Talingate, moi je vais parler la langue de mon pays. Et du coup, depuis et aujourd'hui, les gens sont même étonnés. Même mon oncle Ernest, qui est aux États-Unis, je lui fais un gros coucou. Il dit, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, tu parles, tu t'es amélioré. T'as plus d'accent. J'ai plus trop d'accent, ça va. Voilà. Mais ça te faisait comment en fait quand tu chantais à Lingala, mais tu ne parlais pas cette langue? C'était pas gênant parce pas que bizarre. Non, bon, après on a toujours un peu d'appréhension, on se sent pas trop en confiance à 100% parce que je le parlais pas forcément. Mais tu comprenais. Mais je comprenais. D'accord. Déjà je comprenais, ça, donc ça va, j'étais pas trop dépaysé, ça va. Voilà. Ouais. Merci beaucoup chers téléspectateurs, c'est par ces mots que nous bouclons la boucle de cette émission. Mais Mélodie, on va pas se quitter comme ça, on va se quitter quand même avec une belle mélodie. Une belle mélodie. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, peut-être au moment où vous regardez cette émission, je serai à Kinshasa. Merci aux amis des Noli Tamboulessage, merci à ACP, donc je serai à Kinshasa, après Kinshasa
Kisangani peut-être, si tout va bien, sauf imprévu, je serai à Lubumbashi sur invitation de Stone Mukendi. Donc voilà, et merci à vous tous, merci à ma base de Kalamu, hein, les amis de Noli Tambou le Sage, en tout cas, préparons-nous, et chers jeunes, donc l'avenir, Isaiah Bisso. Hein, donc, tous à la paix, prêt. Donc, la fondation Noli Tambo aussi, je vais lancer ma fondation. Ah, super. Là. Super. Donc, nous ouais. sommes vraiment prêts. Je me suis lancé dans plusieurs choses quand même. Et tout ça, c'est pour aider des amis, de frères, ouais. nos compatriotes, de jeunes comme tout nous qui fait. Sont encore ouais. au pays. Pourquoi pas le peu que nous gagnons ici, pourquoi pas partager avec eux. Donc c'est dans le souci là que nous voulons créer un peu d'entreprises, de voilà que nous soyons pas dépendants mais plutôt indépendants avec le travail. C'est donc ça. Voilà, c'est ça ma devise. Fait. Voilà, c'est quand même encourageant. Oui, franchement, chapeau à toi, respect. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ouais. Donc voilà, c'est bon pour toi. Une petite mélodie et voilà. Avant de quitter, j'ai également mon association qui s'appelle Fondation Meliva Tabou, M-E-L-Y-V-A Tabou, qui soutient aussi les orphelins. Wow, là, je fais bien. Un appel parce qu'on a un orphelinat qui s'appelle l'Amour Divin, qui est à Bumbu, où ils ont vraiment besoin d'un abri. Il y a 35 enfants, mais ils sont dans un tout petit, dans une petite maison. Donc, ceux qui peuvent contribuer, n'hésitez pas à en parler à Noli. Je laisserai également les coordonnées. Le mail, c'est fondationmelivatabou@gmail.com. Donc, Fondation Meliva, M-E-L-Y-V-A, oui. Tabou, T-A-B-U, attaché, @gmail.com. Vraiment, soutenons ces enfants. Ça, c'est parmi un des premiers projets que je fais parce que mon association aide les orphelins, les personnes malades, les personnes en difficulté et ils ont vraiment besoin d'aide. Pourquoi pas les femmes d'artistes ou les enfants d'artistes? Pourquoi pas tu payes quand même? Ah oui, on va élargir. Élargir, ouais. Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est déjà parmi un des premiers, voilà, des premiers objectifs de l'association. Donc vraiment un besoin de soutien pour ces enfants-là qui ont vraiment besoin d'un abri. Donc je fais appel à vous. Et pour terminer sur une note agréable. Voilà. On a commencé avec Mélodie, allons boucler aussi avec Mélodie. Une petite mélodie de la Cléopâtre. C'est vrai, hein. Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kisumu, Toyebani. Arambe, ayo. Nakena Nairobi, pona seli saduri. Nakena Nairobi. Allez, Noli. Toki oto sadio. Allez, ok. Deux, trois. Nakena Nairobi, pona seli saduri. Nakena Nairobi, nakozonga naduri. Allez, Bobomba, voilà les 30 novembre 2023 ouais. à Kinshasa. Boyoka, mais bon, je ne vais pas chanter, mais je serai peut-être parmi le oui. présentateur ou le maître des cérémonies. Tu es de la famille, toi-même, tu sais, au Korozangate, tu dois être là. Voilà. Tu dois être là. Comme je disais tantôt, sans M, Noli serait tabou. Et j'ai toujours l'habitude de dire aussi, sans A, Paris serait pris. Ouais. On se dit bye bye et à la prochaine. Peace and love. Merci beaucoup, Mélodie. Bisous. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Au cœur de Kinshasa, découvrez Genesis Hotel dans la commune de Kasavubu. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour merveilleux avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieuses. Balcon garanti.
parfaite pour vos événements divers, un personnel qualifié à votre service, un cadre chaleureux, propre. Votre sécurité est garantie. Passez de bons moments dans Genesis Hotel. Genesis Hotel, salon Congo pour tout type d'événements, conférences, réunions, anniversaires, mariages et autres. Nous sommes situés au 8 avenue Kanda Kanda, dans la commune de Kassavubu. Pour tout contact, veuillez appeler plus 33 6 63 85 41 56 plus 243 90 48 61 050 plus 243 84 13 33 3 16. Genesis Hotel, Poto et Kitelebisona Kinshasa. 3x.congotopnews.com